Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo en compagnie de Younes. Salam, on fait la bise pour dire bonjour. Non, tu pues de la gueule en plus. Donc là, on est d'accord que t'es sous Ramadan, il fait chaud, c'est compliqué, j'ai un défi à te proposer. Ouais. Alors, un petit défi pour toi, un petit manger pour iftar pour 5€ vs 50€. Sauf que, toi tu vas sélectionner des aliments pour 50€, moi pour 5€ on va aller au magasin et on fera un tirage. Ah ouais. Clochard, toi tu payes 5€ et moi 50€. Mais vas-y, j'accepte, tranquille. Eh, hey, tu connais pas la nouvelle règle, s'il y a 10 000 likes sur cette vidéo, on ressort une vidéo demain. Donc si tu veux des vidéos tous les jours, like. Pour la séquence 50€, j'ai pris un coffret, il y a plusieurs thés. Le thé c'est important pour commencer la digestion, ça coûte presque 10 balles. On a en dessert une noix de coco lérée comme à Koh Lanta. On va s'amuser à la percer, tout ça va être des barres de riz. Le plat de résistance, j'ai trouvé ça un mélange à 14€ pratiquement. Et il y aura encore d'autres choses, j'ai pas tout trouvé parce que là on est au magasin, on va faire d'autres choses. On repart à 5 balles. On est d'accord qu'on est pas au grec. Non, on n'est pas au grec, on n'a pas, pas droit au grec. Non, on n'a pas droit au grec. Bon, bah, c'est comme la prison, les gars. Du quinoa. Mais c'est pas mon quinoa, moi, parce que mon quinoa, il coûte trop cher. Du coup, on a pris du quinoa. Du quinoa, 1€. Dégueulasse, 1€. Okay. Des radis. Déjà, radis beurre. Déjà, ils vont dire. Vous êtes la team. Quand à la cantine, quand il y avait radis beurre, vous mangez que le beurre avec le pain. Moi, je mangeais ni l'un ni l'autre, vraiment. Une pomme. Waouh. Et là, de la viande, mais pas tout. Un petit morceau de viande, parce que ça coûte 5€, ça. Inch'Allah, c'est pas 5€, vraiment. Et voilà. Et ça, on peut rajouter ou pas le cornet de glace? Non. Ouais, je débute là, j'arrive pas à prendre le charge. Oh, ils veulent m'arnaquer, mais 1€, regarde. Allez, sors là, rends mon argent. Mais mon argent. Attends, peut-être faut prendre un autre. Ah, j'ai grave le seul. Bon, là, j'ai le seul. Attends, grand âge, je te fais arnaquer 1€ dans le chariot. Vas-y. Ça sera des 40 barres en moins. Putain. Bon, le moment tant attendu, est-ce qu'il va manger le repas à 50€ ou à 5€ ce soir off-tall? Mais 1€, mais 1€. J'ai une application qui va dire des choix au hasard. Si c'est 50€, tu manges 50€. Si c'est 5€, tu manges 5€, c'est bon? Attends. Si c'est 50€, tu vas moi aussi me retirer 100€, c'est bon? Quoi? Et si c'est 5€, je vais te retirer 100€. J'ai perdu 1€, faut que je me rentabilise, frère. Vas-y, ok, vas-y. Prêt, 3, 2. Attends. Tiens, toi, je vais tricher. Vous voyez bien là, hein? 5€, 50€. Décidé. Décidé. Bismillah. Allez, 50€. 50 pétards. Quoi? 50 pétards, regarde. Mais non. 50 pétards. Donc là, je dois te retirer 100€. Là, ce soir, je mange off-tol pour 50€ et on va à la banque. Allez, c'est parti. 1 hour later. On est bien rentré, crois, il va m'arnaquer. Yacine, t'as oublié quelque chose, là? Quoi? T'as oublié quelque chose, hein? Je me suis lavé les mains. Dineros. Ah ouais, c'est vrai. T'as retiré? Ah oui, pas le choix. Merci, hein. S'il te plaît, mon argent. 50, ça c'est du grec, 50€, c'est fiabilité de l'air. On avait dit 100, hein. Merci. Rajoute un peu juste pour la famille. Mon âme aussi. Pour la famille. Je veux m'acheter un sorbet pour l'aide. Merci. Je veux mon âme aussi. Merci beaucoup. Vas-y, on se retrouve pour le photo, je vais te préparer à manger à tout à l'heure. Bon, avant d'aller manger, comme on va bien manger ce soir, je fais un peu de marche. Je vais aller chercher Myriam. En fait, ce serait bien si ce soir elle mange avec moi. J'aimerais bien qu'elle mange avec moi en vidéo, mais le problème c'est que j'ai peur qu'à l'école, les gens ils vont la rendre ouf. Ouais, Myriam, code familial, blablabla. Du coup, c'est pour ça qu'elle passe pas trop en ce moment. Sinon, là, je marche, je vois des. Comme des points noirs. Genre, avec le ramadan, c'est un truc de ouf. Allez, c'est l'heure du goûter. On a un bon petit chocolat chaud. On a des croissants parce que ça, en fait, hier on l'a pas fini, donc faut le finir aujourd'hui. C'est pas bien de gaspiller. On a des princes, des pims. Qu'est-ce que c'est bon ça? J'ai pas le droit, c'est pour Myriam la bosse. Allez Myriam, Moi j'ai pas le droit tout de suite. J'ai les lèvres sèches, je fais le ramadan en douille. Bon allez, avant le photo, on va regarder si elle sait bien lire. Donc là, tu vas me lire cette feuille là, là. Ok? Vas-y, let's go. C'est cette Ok, ça c'est validé. Maintenant, tu me lis. Vas-y, la première phrase. La marelle. Des mirabelles, une échelle, la vaisselle tellement saine. Très bien. Allez, on s'assoit comme en Chine, comme si c'était un repas chinois. Mais ça ira. Non, tu t'assois comme les Chinois. J'ai mis 2 coussins, tu t'assois. J'ai gagné le défi, je fais ce que je veux. Non, pas ça, m'inflige si, pas ça. Si, tu t'assois. Mais ça, c'est pas 5€, c'est 50€. Mais tu t'assois comme les Chinois. En Chine, au Japon, on mange assis. Toi, tu regardes One Piece, tout ça, tu connais même pas. Là, on va aller ramener les ingrédients. On mange comme ça. Je vais dire un sahaf tolkom à tout le monde. Dis sahaf tolkom. Sahaf tolkom. Voilà, tu fermes la porte et tu me laisses faire mon dîner à 50€. Sahaf tolkom à tous. Yacine, je vais te laisser réfléchir, tu vas devoir me dire
le prix exact de ce qu'il y a sur la table. Je vais vous présenter. On a des sushis. Là, je vous dis juste, la boîte a fait presque 14 euros. Le repas 5 euros, Jasmine, je l'ai aussi pris pour éviter le gaspillage. Le coffret, les pims, les boissons, la noix de coco. Là, ça s'appelle une grenade. Grenade. Aïe, mais attrape-la. Va te faire fou. Mais c'est une grenade. Espèce d'abruti, va. Une grenade, tu la jettes pas sur les gens. Grenade. Et voilà, tu me diras, il y a combien comme prix, ok? Eh, demain, on sort, on va à quelle heure à la mosquée? Je viens avec toi. Tu vas pas avec moi? Si je vais avec toi, je vais pas au premier, j'ai envie de. À midi, moi je pars d'ici à 12h30. C'est-à-dire que je peux me réveiller à 11h30. À 12h30, moi je pars. 11h30, je peux me réveiller? À 12h30, je pars, tu fais ce que tu veux, moi à 12h30, je pars. Vas-y, c'est bon, je me lève à 11h30, je me lève tard, je suis devenu un déchet de la société, je me lève à 11h30. Mais moi j'arrive plus à faire mes séances de sport demain le matin. Comme toutes les vidéos, ils disent ça. Je dors à 4h du matin. Non, mais je disais, quand je vous dis je fais pas mes sports le matin, je les rattrape. Hein. Là, par exemple, aujourd'hui, je l'ai fait à 13h ma séance de sport. Toi, t'es le roi des déchets, mais moi, je suis un petit déchet. Je suis pas le roi des déchets. Ah, t'es malade. Bon, bismillah, on a le repas à 5 euros. T'as vu ce que tu voulais me faire manger, le repas de la prison? Ilyes, va te faire foutre. Voilà, Ilyes, je te dis, va te faire foutre. Il a dit, je suis bousillé, je mange des radis. T'es bousillé du cerveau. Ça le bousille. C'est un bousillé. Regardez, il mange quoi, des radis comme ça? Les gens, ils les mettent toujours de côté à la cantine, lui, il les mange. Ça le bousillé. Je suis un bousillé, je l'assume, j'ai rien à foutre. T'aimes bien? Ouais, c'est bon, frère. Ça, c'est que des vitamines. La noix de coco, je l'ai pas touchée parce que je sais pas si tu voulais en boire un peu. Non, ça ira. T'es sûr? Oui, ça ira. J'ai galéré à la casse, regardez. Bon, il faut ouvrir cette noix de coco là, comme à Koh Lanta. Moi, je pense que je vais aller à Koh Lanta. En fait, là, il y a 3 trous et il faut les ouvrir. Regarde, je vous montre les trous. Regardez là, il y a 3 trous. Il faut les ouvrir. Tintin. Donc j'ai ramené mes super couteaux. Et ça, c'est des couteaux, mon gars. T'as peur. C'est pour faire la cuisine, hein. C'est pas pour faire autre chose. Comment est-ce qu'on va faire? On va essayer comme ça. Mais là, Yalbe, je me blesse pas. Ah ouais, ça marche avec mes super couteaux. Et je pensais que j'allais galérer, mais ça marche direct. Je vais bien vous zoomer. J'ai fait un trou là. Regardez, j'ai fait un trou dans la noix de coco. Je pense que le jus il va pouvoir sortir. J'essaie de faire un deuxième trou. Ah, zungouligigigi. Regarde, tu vois le trou là? On va pouvoir boire là. Fais gaffe de pas boire des morceaux. Dis wallah, il y a des morceaux. Il y a des morceaux parfois. Hein. La première fois que je goûte une noix de coco. Tu veux pas goûter, t'es sûr? Non, ça ira. Oh, c'est grave bon! Allez, tombé sur une bonne. En fait, il y a soit des noix de coco qui ont un goût grave sucré, ou il y a des noix de coco qui ont un goût amer. Toi, tu sais ça, le goût d'un bounty que tu bois? T'es tombé sur une sucrée. Ouais! Ah, bien, t'as eu de la chance. Il a eu de la chance. What? Mais comment on fait pour la péter en deux? Ah, ça, il faut une machette. J'ai pas réussi mon frère. Ou un marteau. Putain, j'ai pas réussi, sa mère elle a pété en deux. On a des pimps, je t'ai pété à tes pimps. Il va pas les manger, de toute façon c'est juste frère Crary, je le connais par cœur. On va voir si c'est pour ça que depuis d'ailleurs je parle pas, je sais qu'il va pas les manger. On va voir si j'ai arrêté de place. Parce que le ramadan t'as faim toute la journée, tu fais quoi? Mais tu vas pas les manger, menteur va. Je dis quoi? Il est 15h, et les 16h ton ventre tu fais. Tu dis quoi ce soir? Wallah, quand j'ai à la table, je vais tout défoncer. Et tu manges 3 trucs et t'es calé. C'est nain frère. Bon, moi c'est ça qui m'intéresse. Les sushis, mais comment vous pouvez aimer ça? 14 euros. Tu sais que Sofiane, tu lui dis ça, il te met une patate dans ta gueule. C'est dégueulasse, vraiment. C'est grave bon. En plus, comment vous c'est des chinoises. C'est des japonais ou des chinoises ou des coréennes ou des vietnamiennes qui préparent ça au champ et ils doivent être multimillionnaires. Il y a quoi dans les sushis? Il y a du riz, du saumon. C'est lequel le meilleur? Le meilleur, c'est Sofiane, il m'a fait goûter. Entre tout ça, là, c'est lequel le meilleur? Entre tout ça, c'est ça. Genre en mode. Ça, il y a quoi dedans? Là, tu vois, t'as une feuille de lotus, t'as du riz. T'as un tout petit peu de saumon et des concombres. Et le meilleur, c'est ils mettent quoi? Ils mettent des agréments de oignons. Ah, je te jure, c'est trop bon. Vous mangez ça? Par contre, ça, mangez-la pas. Parce qu'il y a un mec de la musculation, là, qui dit c'est grave sucré. Mangez-la pas, moi, je la mange pas. Crapaud. En plus, celui-là, il est grave bon. Et ça, 14 euros. Les gars, est-ce que vous êtes team sushi ou pas dans les commentaires? Ça, ouais, c'est dégueulasse. Dites-nous le prix et si vous êtes team sushi ou pas. Alors le prix pour tout ça. 15 euros plus ça, 3,50€. Donc du coup 15 plus 3,50€, ça fait 18,50€. Plus ça, ça c'est par contre c'est compliqué. Ah, je dis même pas, je l'ai dit pendant la vidéo, t'avais qu'à écouter. Ça c'est soit 2 euros, soit 4 euros. Oh, c'est beaucoup plus cher, frère. 7 euros. En fait, à l'intérieur, c'est un coffret multi-collection pour faire des thés. Pour le ramadan, c'est ça. Ah, 6,50€, on va dire. Donc 18 plus 6, ça fait 18 plus 6. Et mon cerveau il est fatigué. Je peux 18 pas compter. Plus 6. Je peux pas compter, mon cerveau ça il est fait fatigué. 24. Ok, 24. La plus un autre coco, écoute, 2 euros. 1 euro quelque chose, mais on va dire 2 euros. La grenade! Mais attrape! Mais putain, oh, mais t'es bête! Oh le réflexe! La grenade, elle fait combien? Arrête, la grenade, elle fait 80 centimes. Donc du coup, ça fait 28 euros en tout. Plus. La viande, ça c'est cher. Hein. La viande, le poulet. 28 plus 4 euros, ça fait combien? 32. 32 euros. Plus les pims. Ça, il connaît par cœur ce gros hell. 34 euros. Plus les canettes.
de iced tea et de coca. Ouais. 36 euros. Et j'ai compté quoi? Et la grenne. Arrête. Il manque quoi? 36 euros. 36 euros, moi, j'ai dit ça. Ah, et la sauce, 37 euros. Toi, tu dis 37 euros. Ouais. Ok, dites dans les commentaires. On va ouvrir la grenade. La grenade, on va l'ouvrir. Ça aussi, j'en mange pas très souvent. Ramen, j'ai ramen en arabe. À chaque fois, ma grand-mère a dit Yassine, tu devrais manger ramen pour ton estomac. Tu devrais manger ramen. Ça fait rien, on se met à aller. Sérieux? Non, ceux qui ont de l'acidité, peut-être ça va les aider. Wow. Moi, ça m'a rien fait. Moi. Est-ce qu'elle est pourrite là? Non, tu peux la manger, elle est mûre. En fait, par contre, ne mange pas les trucs blancs. Les trucs blancs, c'est grave amer. Ok, c'est des petits grains. Faut manger juste les grains. D'ailleurs, ceux qui ont des problèmes de brûlure d'estomac, le truc blanc des grenades, c'est bien de le manger. Ça vous fait un plâtre dans l'estomac en mode. Sérieux? Ouais. Quand t'as des brûlures, c'est bien. Quand des petits grains comme ça. Mais quand t'es ballonné, c'est pas bien. Mangez pas quand vous êtes ballonné. Quand vous êtes ballonné, pas manger ça. Moi, je suis pas trop fan parce qu'en mode à l'intérieur, il y a des pépins. C'est grave dur. T'as peur que ça pousse dans ton ventre? Non, même pas. Mais c'est pas. Il y a pas de goût. C'est. Je sais pas. Laisser ça. Papa et maman, je vous donne ça, hein, vraiment. Bon, la famille, moi, je vais vous laisser là. Juste une question. Comment tu peux, dans un repas, alterner sucré et salé tout le temps? Mais c'est pour goûter pour la vidéo. Et t'arrives? Bah oui. Je crois que je vais manger pendant une heure devant eux, mais c'est là je leur fous un peu la haine. Parce que t'as vu, c'est pas l'heure de manger pour ils eux. Ils enchaînent un radis avec un. Une viande. Une viande, avec un sushi, avec un gâteau, avec un. Et une autre logo. Et une autre coupe, bien. Un don, toi, moi. Bon, les frères, moi, je vous laisse là. On sort bientôt la fin du ramadan. Tout ça dans la table, tu vas manger. Bah ouais. Waouh. Je deviens de plus en plus balèze. Hein. T'as un monstre. Bientôt la fin du ramadan, les frères, prenez soin de vous. Merci pour ce défi. Merci pour ce défi. Saraf Tolko. Ciao l'ami.